C'est ça, rigole. C'était l'échauffement. Vous allez voir. Ok, alors attention. J'y vais. C'est... Ça a l'air tellement meilleur que des croquettes. Robin! Ah. Au secours! Touche pas, mon copain! Non mais ça va pas la tête, Caporal. Robin, t'as rien fait du tout. Allez, sirop de fraise pour tout le monde. Cui-cui. Viens par ici, mon petit. Cui-cui. T'as des croquettes dans les oreilles ou quoi? Caporal, on vient de te dire de laisser Robin tranquille. Caporal, laisse mon brouilleur à pigeon. Ce n'est pas un jouet, c'est pour attraper les oiseaux espions. Caporal. Encore toi. Si je t'attrape, je fais un nœud avec tes oreilles. Mais Madame Styx, c'est Caporal qui essaie tout le temps de croquer Robin. Puis il veut le défendre, c'est tout. Quoi? Mon petit Caporal ne ferait pas de mal à une mouche. Vous êtes prévenus, toi et ton chien, je vous ai à l'œil. Je vais vous surveiller 24 heures sur 24. Mais elle est complètement ouf, celle-là. T'inquiète pas, Bill. Comme ça, elle verra bien, cette sorcière, que tu fais rien de mal. Petit oiseau servi sur un plateau. Merci. Je le savais. Interception de l'agresseur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est sûrement parce qu'il t'a fait peur. Méchant chat. Et puis t'as les plumes toutes emmêlées. Normal que tu ne puisses plus voler. Allez, hop. Oups. Allez, prends bien ton élan. Vas-y, fonce, tu peux y arriver.
Oh oui. Toujours pas. Bon, alors un grand coup de turbo. Non. T'inquiète pas, Robin. On va trouver ce qui t'empêche de voler. Tension normale, pas de blessure, plumage parfait. Tu as l'air en pleine forme, Robin. Tu pourrais même faire le tour du monde. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il ne décolle même pas du jardin. Pas d'inquiétude, ça doit être le stress. Il faut qu'il se repose un peu. Et surtout, le tenir éloigné du chat. Merci, docteur. On va bien s'occuper de lui. Le tenir éloigné du chat, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh! Écoutez, j'ai une idée. Allez, s'il te plaît, Caporal. C'est notre copain, Robin. C'est pas une petite croquette. D'accord, je vais le lâcher. De toute façon, j'en ai assez de me faire attatiner. Youpi! Bill, il est d'accord. C'est trop génial. Youhou! Quelque chose me dit qu'on peut pas lui faire confiance. Oh! Allez, Robin, n'aie pas peur. Bats des ailes comme ça. Je suis sûre que tu peux le faire. Ok, ok. C'est parti. Et mon estomac, ça te dit de le visiter? Je suis trop bête, pourquoi je l'ai cru? J'en étais sûre, elles valent pas une croquette, ces promesses. T'inquiète pas, on va trouver un abri bien sécurisé, promis. Je connais un super endroit. Elle est sympa ta maison, Bill. C'est comme mon nichoir, mais en plus grand. Profites-en, là-dedans tu seras au poil pour te reposer. Et il a pas intérêt à revenir dans le coin, ce sac à puce. Désolé, fausse alerte. Mais Robin, tu voles. Hein? Mais oui, youhou! Tu vois, fallait pas stresser. Une petite sieste et c'est reparti. Hé, Raspot, essaye de m'attraper maintenant. Oh oui, avec plaisir. Tombe à pic. Hein? Bravo, Général Stick. En plein dans le mille, cette fois. Alors, qui va bien pouvoir te sauver maintenant? Peut-être la tortue? Bah, les pattes. Il est terrible, il va revenir, c'est sûr. Hé, les copains. Quand Robin est tombé, Caporal avait un truc bizarre entre les pattes. Ça se reflétait au soleil. Je suis sûre que ce truc a un rapport avec le problème de Robin. Bon, faut aller voir ce que c'est. Pas trop vite, Bill. Il faut d'abord qu'on se débarrasse de ça. Trop fastoche, on va l'embrouiller. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Où est-ce qu'il est, ce sale cabot? Est toujours sage comme une image. Opération réussie. Parfait, place à la phase 2. Capture de l'ennemi. Prêt, Robin? Fais dodo, petit caporal. Fais dodo, t'auras du lolo.
voix est libre. Mais dodo, petit caporal. Alors, tu te promènes tout seul? Tu devrais rester avec tes amis, tu sais. Allez, viens par là, mon petit. Laisse-moi, Robin. Ça, c'est bien joué, Robin. T'as été super courageux. Tenez, on a trouvé ça. Je crois que c'est à vous, non? Ouais, et ça aussi. Mais oui, c'est mon boîtier anti-pigeon espion. Eh bien, Caporal s'en est servi pour essayer de croquer Robin. Oui, et c'est pas gentil. C'est sûr, faudrait un peu mieux le surveiller, ce sac à puce. Hein? Caporal! Ouh là là, on dirait que ça va barder.